Dans ce cours, j'aurais présenté quelques exercices pour s'entraîner à faire des marches arrière en révo. Alors aujourd'hui, le vent est assez fort, hein, entre 15-20 km/h de moyenne, avec des rafales à 30 km/h, 30-35. Ce ne sont pas les conditions idéales pour faire des exercices en marche arrière, mais on va essayer quand même. Alors cette fois-ci, j'ai senti le révo Barési ventilé en quatre plumes. J'ai également mis des lignes de 68 kg, car j'ai remarqué la semaine dernière qu'avec un vent assez similaire, les lignes de 40 kg commençaient à chanter. Donc je vais présenter des exercices simples de marche arrière en descendant. Donc on va céder de la gravité, et puis des marches arrière en vol horizontal, avec un exercice à l'échelle en marche arrière. Alors aujourd'hui le vent est assez fort, donc on va commencer par des exercices simples. Alors la marche arrière en fait est assez facile à démarrer. Un révo, comme vous le savez maintenant, possède des lignes de frein qui sont les lignes du bas et qui permettent de modifier l'angle d'incidence des deux ailes indépendamment. Alors si on tire sur les lignes de frein des deux ailes en même temps, donc sur les lignes de frein gauche et droite en même temps, on va mettre l'aile du cerf-volant en incidence négative, ce qui va le faire reculer. Alors on peut déjà s'en rendre compte à partir d'une position stop, pour d'attaque vers le haut. Alors, je me mets en pleine au centre de la fenêtre devant, position stop, bord d'attaque vers le haut. Si je tire les deux freins en même temps, le révo descend. Alors ça peut constituer un premier exercice qui va permettre au pilote de déterminer le dosage nécessaire et suffisant pour mettre le cerf-volant en marche arrière. Il faudra tirer suffisamment pour le faire descendre, mais pas trop, sinon, bah, comme vous l'avez vu là sur le retour vidéo, le cerf-volant va déventer. Donc le premier exercice, partir d'une position stop en pleine fenêtre et en cédant de la gravité, juste tirer les deux freins de la même manière afin de mettre le cerf-volant en marche arrière. Donc ce premier exercice simple permet d'apprendre à doser de manière équitable la gauche et la droite. Évidemment, si on tire trop, par exemple ici sur la droite, le cerf-volant va tourner à gauche. Et si je tire trop sur le frein à gauche, le cerf-volant va tourner à droite. Ce qui est normal parce qu'on est en marche arrière. Alors une fois qu'on a senti ce dosage, on va maintenant faire une marche arrière en vol horizontal. Alors pour faire une marche arrière en vol horizontal, il faut partir d'une position stop, bord d'attaque sur le côté. Alors par exemple, là on va faire une position stop, bord d'attaque à gauche. Donc je me mets bord d'attaque à gauche. Je cale bien ma position en mettant toutes les lignes en tension. Ensuite, il faut donner légèrement du frein pour que le cerf-volant aille en marche arrière. Tout en contrôlant la compensation. Vous vous souvenez, ce que j'appelle la compensation, c'est le fait de décaler les bras. Pourquoi il faut contrôler la compensation? Tout simplement pour que le cerf-volant reste à la même altitude et ça marche arrière. Alors aujourd'hui le vent est rafaleux, quasiment du simple au double, donc c'est un exercice difficile mais intéressant. Marche arrière,
Alors, le réglage de la compensation permet de contrôler l'altitude du cerf-volant, mais pas son attitude. Son attitude, c'est le fait d'être plus ou moins bien vertical. Pour corriger cela, ben là, il va falloir jouer des freins, mettre un peu plus de freins en haut ou en bas, afin de corriger l'attitude du cerf-volant, c'est-à-dire son orientation. Et l'altitude se corrige par la compensation. Alors, il faut faire cet exercice jusqu'à ce que l'on soit bien confiant et que l'on puisse faire reculer le cerf-volant de manière bien rectiligne. Alors, une erreur que fait souvent le cerf-voliste quand il fait une marche arrière, c'est de vouloir aller vite. Aller vite en tirant sur les freins. Et voilà ce qui se passe. En fait, le Revo, les Revo sont faits pour aller en marche avant. La marche arrière n'est pas du tout un sens de vol naturel. Et l'aile va avoir tendance à se replier si on tire trop fort. Donc il faut vraiment ne pas essayer d'aller vite. Le cerf-volant va atteindre une certaine vitesse qui sera inférieure à celle d'une marche avant. Et il va falloir se contenter de cette vitesse. Ne pas chercher à aller plus vite. Alors cet exercice doit se faire dans les deux sens. Là je vais le faire reculer vers la gauche. Donc je me mets un peu à droite dans ma fenêtre. Je cale bien la position. Je tire sur les freins tout en corrigeant l'orientation de mon cerf-volant. Vous avez vu au démarrage de ma marche arrière, je commençais à aller un petit peu de travers. Tout ça, c'est parce que au moment où on commence à enclencher la marche arrière, le cerf-volant n'est pas encore bien calé. Vous verrez que quand vous ferez cet exercice, quelques instants après avoir tiré sur les freins, et en le tirant légèrement plus, le cerf-volant va se caler, et à ce moment-là, il va aller vraiment tout droit, presque sans aucune correction. Je suis calé, je tire les freins, et le cerf-volant part en marche arrière. J'ai des rafales, hop. Là, c'était vraiment pourri. Je n'ai pas bien maîtrisé ma marche arrière ici. Alors, on va se remettre bien au centre de la fenêtre de vent. Là, vous voyez, les lignes se courbent un peu vers la droite. Ça veut dire que le vent est plutôt ici. Voilà. Donc, je me mets bien en position stop. Bord d'attaque sur le côté. Et là, je vais enclencher ma marche arrière. Je tire sur les freins. Alors, on va résumer les exercices de base. Je mets le cerf-volant en pleine fenêtre et je m'entraîne en m'aidant de la gravité à faire descendre le cerf-volant en marche arrière. Et en le maintenant le plus droit possible. Second exercice, la marche arrière, bord d'attaque sur le côté. Donc je cale mon cerf-volant et j'enclenche ma marche arrière en contrôlant mon cerf-volant. Hop.
ces trois exercices constituent vraiment un début. Ensuite, il y a un quatrième exercice que certains vous conseilleront de faire en premier. Moi, je pense qu'il est quand même plus difficile et il vaut mieux le faire après avoir fait les trois exercices que j'ai montrés. Alors, cet exercice consiste à faire décoller le cerf-volant bande attaque en bas, en marche arrière. Alors, on met le cerf-volant en position de parking. On tire progressivement sur les freins afin de modifier l'incidence et le faire décoller en marche arrière. Alors vous voyez, cet exercice est quand même plus difficile. Mais si on le maîtrise, alors ça veut dire que l'on est vraiment au point en ce qui concerne la marche arrière et la position stop bande d'attaque en bas. On met en pression, on peut mettre les poignets à 45 degrés ou carrément à l'horizontale si on cherche le maximum de sensibilité et de précision. Plus haut, pour moi, ça devient difficile car ça tire trop dans les poignets. Donc, si ça tire trop dans les poignets comme le vent est rafaleux, ce n'est pas mystérieux, on rajoute des nœuds. Je vais mettre sur le deuxième. J'étais sur le quatrième, position de départ. Position standard, on va dire. Donc là, j'ai beaucoup plus de freins. Je vais moins avoir besoin de tirer sur les poignets. Bon, là, vous voyez, ça monte quasiment tout seul. On met un peu de frein. On corrige la trajectoire. Oh, il faut rester bien vertical et bien droit. On tire beaucoup là-haut, hein. Le centre de la fenêtre ici. Ah, le vent a encore tourné. Pression, décollage, on corrige la trajectoire. Là, j'arrive pas bien à le faire monter droit. Ça veut dire qu'il faut que je retourne un peu à l'école. On aura cette année pas de compétition pour moi. Hein. Hop. Hop. Alors, je refais une dernière fois l'exercice. Décollage en marche arrière, bande attaque en bas. Alors, on a vu quatre exercices. Je les résume. En pleine fenêtre. Marche arrière en descendant. En pleine fenêtre. Marche arrière en vol horizontal. Dans les deux sens. Et le dernier plus difficile, décollage en marche arrière, bande d'attaque en bas. Alors ça, ce sont des exercices qui vont peut-être paraître rébarbatifs. Alors je vous propose pour finir un dernier exercice qui va consister à
apprendre à contrôler le virage en marche arrière. Bon, là, nous étions dans des vols rectilignes. La phase suivante, c'est ensuite de pouvoir maîtriser le virage en marche arrière. Alors, vous connaissez bien les grandes bandées que l'on fait tous quand on commence à voler. Ça ressemble un peu à ça. On va de gauche à droite, etc. L'étape suivante pour rendre plus joli ce genre d'évolution, c'est d'apprendre à tourner sur la pointe de l'aile une fois qu'on arrive au bout de la ligne. Ça permet de ne pas gaspiller de l'altitude, ce qui est très utile quand on vole en méga-team. À chaque virage, je ne prends qu'une hauteur de révo. Alors ben maintenant, en marche arrière, il faut aussi faire la même chose. Donc être capable, quand on est en marche arrière, je vais tourner là. À partir d'ici, je vais en marche arrière. Quand j'arrive au bout, être capable de tourner juste en perdant une hauteur de révo. Alors pour faire cet exercice, comme lorsqu'on était en marche avant, je conseille d'apprendre à faire. Alors je ne saurais pas très bien vous dire laquelle des deux terminologies est la bonne. Moi j'aime bien le terme d'échelle. En marche avant, ça donne ça. Pareil en descendant. Et bien nous allons faire le même exercice en marche arrière. Alors c'est plus facile en descendant, donc on va essayer de le faire en descendant. Vous calez votre évo bande d'attaque sur le côté, en pleine fenêtre. Et là, vous devez vous entraîner à le faire partir en marche arrière sur la pointe de l'aile. Toujours en vous arrêtant ensuite en position verticale. Waouh, là ça souffle beaucoup. Pareil en marche montante. Là, ça souffle vraiment, vraiment beaucoup. On n'a plus de place pour faire. Waouh! Un peu juste. Donc voilà. Dernier exercice consiste à faire une marche arrière sur la pointe de l'aile. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand on s'entraîne à faire la marche arrière. Je n'ai jamais vu de marche arrière sur la pointe de l'aile en méga-team. Donc, si vous voulez vous orienter sur du vol en équipe et en méga-team sur les festivals, hein, quand les pilotes qui ne se connaissent pas se rencontrent et font un vol à plusieurs, la marche arrière sur la pointe de l'aile, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Il y a certaines figures, notamment en des variantes de la boule, où on peut faire ce genre de choses. Donc voilà, des exercices simples à faire en plusieurs fois, jusqu'à ce que l'on maîtrise bien le vol en marche arrière, qui est quand même une caractéristique importante, sinon la caractéristique numéro 1. Du vol du révo. Vous verrez, lorsque vous commencerez
à savoir faire des marches arrière, vous allez rapidement ne plus pouvoir vous en passer. En option pour celui qui veut aller plus loin dans le vol en marche arrière, on pourra s'entraîner à le faire en diagonale. Alors qu'est-ce que ça change en diagonale? Je dirais pas grand-chose. Ça va consister à d'abord mettre le cerf-volant en position diagonale. Donc quand on maîtrise la position stop, on finit par maîtriser la position stop en diagonale. Une fois que le cerf-volant est dans cette position, il suffit de donner juste suffisamment de frein pour le mettre en marche arrière et conserver cet angle de rotation de l'aile. Donc là, je donne suffisamment de frein. Vous voyez, le cerf-volant va tout seul en marche arrière. Là-haut, il y a beaucoup de vent. On voit que je peine à conserver l'angle de rotation du cerf-volant. Donc voilà, il n'y a plus qu'à aller s'entraîner.